Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et on dira que c'est un petit hommage à Didier Arafat. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez bien vu dans les titres, j'ai dit que Didier Arafat aide les nécessiteux. Et je pense qu'il a droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de félicitations de la part des Ivoiriens et de toute la communauté africaine. Vous voulez connaître les détails de cette vidéo là, vous connaissez, hein, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, comme vous le faites déjà assez. Et vous commentez surtout, donnez vos avis. Voilà, parce que Didier Arafat est Didier Arafat, mais on peut dire tout sur lui, mais il y a beaucoup de choses positives à dire et c'est ce que je ferai dans cette vidéo là. Donc tenez-vous prêts, on démarre la vidéo dans quelques instants. Il en fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède à des firmes. Bon retour, famille, bon retour. Voilà. Bien avant qu'on parle de l'élan du grand cœur de l'artiste Didier Arafat et de tout ce qu'il apporte aux nécessiteux, j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, m'excuser auprès de mon public qui a eu l'aimabilité de s'abonner à la chaîne de Princesse Rima par rapport à téléphone. Vous avez relevé le défi des 500 abonnés et actuellement, vous avez dépassé les 500 abonnés. Logiquement, si vous vous rappelez bien, dans la nuit d'hier, j'avais annoncé téléphone pour aujourd'hui 16h. Mais malheureusement, pour des petits soucis techniques, cela se fera demain samedi 20 à 16h. Priez vraiment, excusez Princesse Rima et priez vraiment m'excuser aussi parce que beaucoup, beaucoup m'ont écrit pour me demander « Ah, apparemment, téléphone de Princesse Rima n'est pas sorti. Rendez-vous demain. » Si vous voulez vraiment écouter téléphone de Princesse Rima, rendez-vous demain. Donnez de la force aux nouveaux talents, c'est très important. Donnez la force aux nouveaux talents. Princesse Rima téléphone, c'est demain 16h. Et si je l'annonce dans cette grosse vidéo là dédiée à Didier Arafat, c'est pour vous dire que ce n'est pas un petit son. Vous ne serez pas découragé. Donc, continuez à vous abonner. Le lien est toujours en description. Cependant, il y a beaucoup qui me parlent aussi des moments pélagigas. Moi, j'ai pas envie de trop parler. Voilà, il y a beaucoup qui sont complexés par leur teint. Contactez la dame sur son Facebook. Vous tapez Pélagie Gas. L'orthographe, on va dire le vocabulaire de truc, ce nom-là, c'est P-E-L-A-G-I-E Gas, comme vous entendez, G-A-C-E. Abonnez-vous à sa page. Vous n'avez pas dit envoyer des invitations, ajouter là et puis discuter. Testez ces produits, vous verrez. Maintenant, on parle de Didier Arafat. Pourquoi je demande à tous les Ivoiriens de féliciter Didier Arafat? C'est parce qu'on dira que c'est une première. Bien qu'il n'a pas de fondation comme ses confrères, mais je pense que c'est une première dans ce coupé décalé là, de faire ce genre de geste. D'abord, vous savez que l'artiste commence à tourner moto-moto tout à partir de ce 27 juillet là. Voilà, du côté de Cocody au stade d'Angré. Les tickets sont à 3000 et 5000. C'est pas cher. Et puis, pour les personnes qui parlent de Didier Arafat a réduit les prix parce qu'il n'est plus à la mode, franchement, je pense que vous vous leurrez, vous vous moquez de vous-même parce que même si quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut toujours reconnaître son influence et son impact. Voilà. C'est le premier Didier ivoirien qui a commencé à faire ticket 10 000, 15 000 et puis qui a rempli le palais de la culture sans problème. Vous voyez un peu? Donc, c'est des choses, même quand tu détestes quelqu'un, là, tu n'es pas obligé de venir montrer ça publiquement, quoi. Voilà, tu peux te dire qu'il ne me plaît pas, je n'aime pas sa musique, mais il y a des mensonges qui sont flagrants, comme Didier Arafat est tombé. Non, sa cote a peut-être baissé un peu, et ça même, ça a vérifié. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment à vérifier, parce que Didier Arafat n'est pas encore tombé. Je me rappelle, le 29 décembre 2018, vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore de revenir avec ce souvenir sombre là parce que un groupe de fans s'est senti lésé, blessé. On dira même des deux côtés parce que l'autre s'est senti trahi, l'autre aussi s'est senti trahi. Mais vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Plus de 23 000 fans réunis à l'Ivoire Golf Club. C'était jamais vu. Moi-même, je craignais. Mais comme je sais ce que c'est que Didier Arafat en Côte d'Ivoire ici, ça ne m'a pas trop étonné. Bref, pour dire quoi, vous n'êtes pas obligé d'aimer l'individu, mais respectez au moins son travail. La carrière et le parcours de Didier Arafat imposent le respect. C'est pas lui-même qui demande de le respecter, mais à ce que vous le respectez, mais c'est sa carrière qui impose cela. Vous comprenez un peu, non?
Et moi, si je fais cette vidéo, je vous ai dit que c'était un hommage. Écoutez bien ce que je dis. Les tickets sont à 5 000, 3 000. Parce qu'il veut donner la possibilité à ses fans qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme ceux de Cocody. Même ceux de Cocody, même ça a vérifié. Voilà, nous tous à Cocody, on a Cocody, si on vit, si on sait comment ça se passe. C'est chaud. Voilà, c'est difficile même. Il a le souci de voir tous ses fans à tous ses spectacles. C'est pourquoi il a fait ces prix-là à 3 000, 5 000. Donc j'invite tous les vrais fans de Didier Arafat et tous ses admirateurs et tous les mélomanes du coupé décalé et de la musique ivoirienne qui peuvent ne serait-ce qu'acheter des tickets pour participer à cette fête-là. Parce qu'il ne le fait pas d'abord seulement pour lui. Car Latis a promis 20% de ses recettes à des œuvres caritatives. 20% de ses recettes à des œuvres caritatives, c'est à applaudir. Il n'a même pas besoin de faire ça parce qu'on sait que Didier Arafat, souvent, quand il a l'argent, il va faire des dons dans des hôpitaux, il va dans des orphelinats, tout ça. Or, vous voyez, c'est plusieurs dates. Donc, comprenez que c'est parce que l'artiste a vraiment envie d'aider. Parce qu'il sait d'où lui-même il vient. Bien vrai que sa maman était bien placée, mais il a crêché. Il a vécu la gadoue, la galère. Je n'ai même pas envie de vous ressasser son histoire. Parce que, à la limite, je dirais que c'est un peu honteux. Mais Dieu lui a fait la grâce d'arriver où il est. Donc, s'il décide de faire une série de concerts pour aider des orphelins, les nécessités, les personnes dans le besoin, c'est pas parce que Didier Arafat cherche, non. Voilà, il a le souci du prochain, c'est pourquoi il a fait. Donc, essayons d'encourager. C'est pas tout, il faut dénigrer. C'est pas tout, il faut prendre pour se moquer ou il faut prendre pour rire, en fait. C'est une initiative très noble. Donc, j'invite toute la Chine, tous les fans du coupé décalé à montrer une démonstration de force ce 27 G là d'abord. Parce que je vous ai dit aussi, je crois hier, qu'il se pourrait qu'il balance Kong ce 27 G juste après Serge Benoît, ce 24 G. N'oubliez pas aussi, voilà, parce que Serge Benoît est déterminé à garder son premier 2018. Donc rendez-vous ce 27 G. Encouragez Didier Arafat. Voilà. Il a des défauts comme tout le monde. Mais toi aussi, Didier Arafat, il faut essayer de nous écouter. Nous ne sommes pas tes sorciers et puis nous serons jamais tes sorciers. Surtout moi, je ne serai pas ton sorcier. Je ne cherche pas non auprès de toi. Je fais ce que mon corps me demande de faire. Voilà, je sais apprécier les bonnes choses. C'est pourquoi quand tu déconnes, il te dit « Ah mon vieux, tu as déconné ». Il faut éviter ça parce que tu es une méga superstar qui n'a plus droit à certaines erreurs. Voilà. Donc ton argument de « tu es humain », franchement, au niveau où j'ai arrivé là, ça ne tient plus dans certaines circonstances. Tu es humain quand tu es hors des caméras. Tu es humain quand tu es hors des caméras. Mais devant les caméras, tu n'es plus humain. Tu es artiste, Didier Arafat. Le mec, il a fait beaucoup, il faut reconnaître. Il a fait beaucoup, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là pour attirer l'attention de mon audience et de ceux même qui ne sont pas abonnés aussi à ma chaîne, qui regardent souvent mes vidéos. Didier Arafat est un homme bon. Voilà. Et souvent, on apprécie aussi souvent les côtés positifs chez nos artistes. Je pense que cela va faciliter aussi la réconciliation entre eux. C'est très important. Voilà. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Vous vous rappelez de ma vidéo que j'ai faite chez Ariel Chiné, disant que il est en train d'indexer indirectement Didier Arafat dans son poste. Ceux qui ont mal interprété cela là, c'est parce que vous n'êtes pas rempli de sagesse. Vous devez comprendre que quoi? Eritor a fait cette vidéo là pour encore éviter des histoires. Je vous explique le truc. Serré Dieu rate le penalty. Didier Arafat soit il insulte. Nous tous on n'est pas d'accord. On l'a lu mon commentaire sur son poste. Quelques minutes après, il y a Arès Chiné qui fait un poste pour dire que non, Amina est petit, il arrive bientôt. Et puis il soutient Serré Dieu encore plus haut. On va se dire quoi? Moi j'ai fait ça pour dire que ah petit, tu te rappelles quand Amina est sorti, le mec il t'a allumé à des directs. Et puis tu commences encore à les titiller avec ce poste-là, juste après son poste contre Serré Dieu. Forcément les gens m'ont dit que c'est de lui que tu parlais. Mais les gens ont mal interprété, non, Eritor, tu veux les mettre en palave. S'il y a quelqu'un qui cherche pas à mettre les artistes en palave, c'est bien moi, Eritor. Vous connaissez très bien les youtubeurs qui mettent les artistes en palave, c'est pas moi, Eritor. Donc arrêtez souvent. Voilà. Donc si je fais cette vidéo là, c'est pour que vous encouragez Didier Arafat. Il le mérite vraiment. Voilà, il faut que Moto tout soit une parfaite réussite. Déjà qu'il dit démarre à fond propre. Si des partenaires qui ont le cœur de subvenir à des nécessiteux ou bien à des personnes qui sont dans le besoin, joignez-vous à lui pour que ce soit une très belle tournée. Voilà, ne regardez pas le comportement de l'artiste, regardez ses bonnes initiatives et encouragez-les. Donc c'était la vidéo d'Eritor, j'espère que vous a plu, vous connaissez. Abonnez-vous en tas.
On court vers les 100 000. On n'est pas encore arrivé. On court toujours. Mais je compte sur vous. Je sais qu'on va y arriver. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Eritor. Ciao, ciao. On est ensemble.